Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Birce et moi, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour le vlog du 8 et du 9 décembre. Je m'excuse, hier le 8, je n'ai absolument rien filmé. Je devais vous faire le vlog parce que je le fais tous les jours au soir. Et hier au soir, on s'est fait un petit appel avec les admins en visio. Et puis ensuite, j'étais trop naze pour vous filmer quoi que ce soit. Donc du coup, je vais vous faire les deux en même temps. Donc hier, dans les calendriers de l'Avent. Alors, on va faire comme si... Voilà. Hein. Hier, dans les calendriers de l'Avent, donc dans chez Makeup Révolution, j'ai eu deux rouges à lèvres. Alors, comme c'est... Il n'y a que 12 cases, enfin 12 numéros, enfin il n'y a pas de numéro, comme il n'y a que 12, du coup c'est une journée sur deux, donc je l'ai pris hier, donc du coup là je vous l'aurai dans le prochain, vous en aurez à nouveau deux, enfin vous aurez à nouveau ce que je vais sortir demain en fait. Donc voilà le petit rouge à lèvres, le premier que j'ai eu. Alors vous le voyez un petit peu plus clair que sa couleur initiale. Ouais, si je me mets comme ça, vous avez peut-être un peu plus la couleur. Ouais, là, on est à peu près dans la bonne couleur. Voilà la grandeur du rouge à lèvres. Ils sont plus si grands qu'avant, je trouve. Hein. Ils n'ont pas d'odeur du tout particulière. Donc, ça, c'est le plus clair. Et ici, on a celui-ci qui est super beau. Un peu plus foncé. Je l'ai testé hier et franchement, il est très beau. Aujourd'hui, je ne suis pas du tout maquillée. Voilà. Alors, je vais remettre ma lumière parce que sinon, je ne vois rien. Alors, est-ce qu'on nous met les références? Je ne vois pas. Bon. Je vois pas où ils ont marqué. Il n'y a pas de numéro, il n'y a pas de nom. C'est pas que j'ai bugué, hein, c'est que je cherche. Non, il n'y a rien. Donc, vous voyez pourquoi, des fois, parce que on a vraiment... voilà pourquoi il y en a que 12. Il est au même prix que celui où il y en a 24. Enfin, il y a même un peu plus cher. Mais vous voyez, on n'a que des grandes... voilà, que des full size. On n'a pas du tout de petits... voilà. Puis, vous voyez, comme là, les rouges à lèvres, il n'y en a qu'une case, mais on en a deux dedans. Ça sera un calendrier de l'Avent classique, on n'a qu'une chose dedans. Donc voilà du coup pour Makeup Révolution, donc pour le 8. Chez Action, j'ai eu un mascara, donc le mascara Ultra Curl et Length Last Extension, donc longueur. Voilà, il est légèrement courbé. J'ai rien, ça, alors ça par contre j'ai pas testé encore. J'ai ni testé celui de chez Makeup Révolution ni celui-ci. Mais éventuellement le jour où je le teste. Je vous montrerai, bien que ça n'a rien à voir avec, ça n'a rien à voir avec ma chaîne, mais voilà, on n'est pas du tout de base là-dedans, mais c'est pas grave, je vous montrerai quand même, surtout que vous êtes quand même quelques-unes à aimer ce que je vous présente dans mes calendriers, donc pourquoi pas. Et on a eu un petit bracelet comme ceci. Regardez, alors... cette lumière. Ce sont des petits éléphants. Alors, je vais essayer de la fermer, mais... Ouais, non. Ah, si. Ouais. Regardez. Ce sont des petits éléphants. Alors, sur le coup, je me suis dit, dis donc, il me paraît bien grand. Vous voyez, si je le ferme complètement, j'ai encore tout ça de petites chaînettes qui passent. Vous voyez, si je le mets comme ça, vous voyez, elle est encore bien large en dessous. Plus encore une chaînette comme ça, toute grande. Et ensuite, donc comme il y a quelqu'un qui m'a demandé où je l'avais trouvé parce qu'il trouvait pas, et du coup j'ai regardé, du coup je l'ai retrouvé. Et en fait, il y a deux, celui-ci serait un bracelet de cheville. À voir, ce sera un bracelet de cheville. Voilà, avec ses petits éléphants. Donc moi, par contre, je le porterai pas en bracelet de cheville. Je le mettrai en bracelet normal,
tout en sachant que une fois, même en étant au plus serré, de toute façon, il ne peut pas se sauver. Voilà, hein. Voyez, voilà, même en sent comme ça, il ne pourra pas se sauver de mon poignet. Je trouve qu'il est plutôt pas mal, même comme ça. Et après, la petite chaînette qui dépasse, elle me gêne pas plus que ça. Non, elle me gêne pas plus que ça, cette petite chaînette. Donc, moi, je vais laisser comme ça. Bon, je dis pas peut-être que... Bon, là, c'est l'hiver, donc je mets jamais de chaînette au pied. Après, si l'été, cet été, je décide de le mettre, ben, voilà, je peux aussi bien la mettre au bras qu'au pied. Voilà. Donc, ça, c'était pour la journée d'hier. Mais la journée d'hier, j'ai reçu un colis. Oui, j'ai reçu un colis. Comme vous savez, j'ai fait une petite demande. Donc, j'ai la toile catastrophe que j'ai eue, c'est chez Adjamon Painting. Le Père Noël dont j'avais pas eu les bons diamants. Donc, il y a les petites copinottes. Donc, j'avais mis un petit message sur notre groupe. Hein. Notre groupe, si vous voulez le rejoindre, vous l'avez en barre d'infos. C'est nos passions, le DP, l'écolo, les cartes à gratter, le point de croix. Enfin, voilà. Et donc, j'avais lancé un petit appel et je vous avais dit que j'avais reçu. Donc, j'en ai reçu de Valérie la semaine dernière. Vous allez avoir une vidéo d'ici quelques jours. Elle m'avait également envoyé un petit colis avec des petits présents à l'intérieur que vous verrez. Et là, du coup, j'ai reçu un colis de Lucie. Voilà, Lucie, elle m'a dit, je t'envoie des diamants. Donc, Lucie m'a envoyé des diamants. Et elle m'a dit, hop, j'ai... Voilà. J'ai pas trouvé autre chose que cette boîte-là, donc je l'ai optimisée et j'ai mis des choses dedans. Donc, j'ai dit, fallait pas. Donc, du coup, elle m'a envoyé cette plaque de chocolat. Bon, elle est arrivée un petit peu cassée, mais bon, voilà. Donc, c'est tout des choses de sa région. Donc, une petite plaque comme ça de chocolat noir en forme de petite carte. Je trouve trop mimi. Ensuite, elle m'a envoyé également de la biscuiterie riolaise. J'espère que je dis pas de bêtises. Riolaise. Des petits riolets. Riolets, je suppose. Au citron. Voilà. Toutes des spécialités de chez elle. Je n'ai pas encore ouvert. Je voulais vous les présenter avant. Sauf un truc qui a été ouvert. Je vous montrerai après pourquoi. Des petits riolets comme ça, chocolat noisette. Vous voyez, avec des petites pépites de chocolat. Et des riolets comme ça, craquants. Voilà. On a les craquants. Ici, on a des citrons. Et ici, on a chocolat noisette. Ensuite, elle m'a envoyé les croquines comtoises. Alors, ça, on a goûté. C'est des bonbons au chocolat à la croquine comtoise. Ça, on a goûté. C'est trop, trop bon. Trop, trop bon. Ensuite, elle m'a envoyé. C'est ça qui est ouvert. C'est des petites bûchettes comme ça au comté. De la biscuiterie artisanale douce comtoise. Voilà. Alors, comme ma fille hier, quand je lui ai dit, ben, c'est quoi la boîte qui est là? Ah, mais j'ai reçu les diamants. Parce que forcément, il y avait quand même les diamants dedans. Donc, j'ai reçu les diamants de Lucie. Et elle m'a envoyé toutes des spécialités pour Noël de sa région. Et Margot, elle me dit, oh, bûchette au comté. Ma fille adore le comté. Moi aussi. Hein. D'ailleurs, à la maison, il n'y a que moi et ma fille qui mangeons du comté. Et Margot dit, on va l'ouvrir quand même. Là, faut que je goûte. Donc, du coup, bon, on en a mangé chacun un. J'ai dit, stop, hein, on n'en mange qu'un. Je tourne ma vidéo avant que tu t'éclates dessus. Hein. Donc, voilà. Et comme Lucie m'avait envoyé un petit message en me disant, c'est un petit colis pour vous quatre, forcément, mon mari, quand ma fille est rentrée, il me dit, le colis, c'est pour nous quatre. Hein, donc, Margot, tu as le droit d'en prendre. Et bon, je vais courir parce que c'est très bien que de toute façon, je ne vais pas manger tout ça toute seule. J'arrive, je pose ça parce que là, j'ai plus de place. Et elle m'a également envoyé des faïencines du cryono, je ne connaissais pas du tout. Alors, est-ce que je le dis bien? Vous voyez, alors c'est des doubs frissons, faïencines,
faïencine, ouais, pas faïentine, faïencine du criollo. Ah oui, ça je l'ai même pas ouvert. Bon, je vais pas l'ouvrir parce que sinon il faut que j'enlève le papier. Attendez, ouais. Attends, je vais quand même l'ouvrir. La faïencine et le doux frisson. Donc, c'est des chocolats noirs d'enrobage. C'est du chocolat en fait. Vous voyez, c'est du chocolat comme ceci. C'est vraiment artisanal, hein. C'est. Ouais. Bon, maintenant que c'est ouvert, je pense que c'est mort. Donc voilà. Et puis forcément, bah, les diamants. J'ai. Et elle m'a également mis une jolie petite carte. Comme ça, en diamond painting. Je la trouve très, très, très jolie, sa carte. D'ailleurs, elle est sur mon buffet de salle pour les fêtes. Voilà, Merry Christmas, avec un petit mot à l'intérieur. Et à l'intérieur, bien sûr, je vais vous cacher le petit message. À l'intérieur, il y a un petit bonhomme de neige. Vous voyez, il y a des petites choses, Merry Christmas, etc. Ouais. Et derrière, voilà comment elle est faite. Mais franchement, la carte en German Painting, elle lui super bien. Elle est vraiment très, très jolie. J'aime beaucoup. Ah, je viens de voir un truc. Lucie, il faut que je te parle. Je viens de voir un truc. Bon, bref. Et donc, voilà. Et j'ai également une autre personne qui m'a envoyé des diamants. Alors, j'aurais peut-être dû lui poser la question avant. Parce qu'en fait, je sais que c'est une personne qui ne veut pas... Enfin, qui m'a dit qu'il ne voulait pas qu'on cite son nom ailleurs. Alors, par contre... bon, bah écoutez, je vais pas citer son nom. Bon, tu te reconnaîtras de toute façon. Je sais que tu vas passer par ici, tu te reconnaîtras. De toute façon, pour vous, ça vous porte peu d'avoir son nom, son prénom ou bien pas. Donc, qui passera par ici, hein, donc je te remercie également. Qui m'a également envoyé des diamants. Je dois encore en recevoir. Alors, apparemment, j'aurai des diamants qui se seraient apparemment perdus de Jo. Jo m'a envoyé des diamants et je les reçois pas. Donc, apparemment, ça serait perdu. J'attends encore une enveloppe, il me semble. Il me semble que j'attends encore une enveloppe. J'attends encore une enveloppe de Claude. Qui devrait plus tarder arriver. Jo, apparemment, elle se serait perdue ou elle arrivera peut-être un peu plus tard. Et il y a Sylvie aussi qui m'a dit « T'en fais pas, si t'en manques, je suis là, je t'aiderai également. » Donc, du coup, hier, ce que j'ai fait... Hier, du coup, je suis repartie avec les diamants que Lucie m'a envoyés. Je suis repartie sur cette toile de Noël, donc voilà, hein, celle de chez A Diamond Painting sans diamants, enfin, pas avec les bons diamants, et du coup, bah voilà où j'en suis rendue. Donc, j'ai quasi tout terminé jusqu'à là, voilà, elle est terminée complètement jusqu'à là, et vous voyez, à partir d'ici, il me manque des diamants, voilà. Il m'en manque ici, il m'en manque, attendez. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Il m'en manque encore ici en bas. Vous voyez, c'est tout le bas du coup. Hein. J'ai complété sur le haut. Vous voyez, il m'en manque encore sur le bas. Donc, il me manque encore à peu près 250 diamants d'une référence. Une vingtaine d'une autre référence. Et à peu près encore 150 d'une autre référence. Voilà, il ne manque plus que 3 références. Donc, on tient le bon bout. Je pense qu'elle sera terminée. Donc, voilà, je pense qu'on arrivera à la terminer. Parce que je dis « on » parce que certes, c'est moi qui les pose, mais c'est grâce à Valérie, à Lucie,
à Claude, etc., que je, à la personne qui veut pas qu'on cite son nom, etc., hein, et je respecte. Voilà, c'est grâce à toutes ces personnes que j'aurais pu terminer ma toile. Donc voilà, hier, ce que j'ai fait, je voulais absolument avancer, parce que ben, forcément, il fait, alors, il te manque encore beaucoup de diamants, alors, t'en es où? Et j'attendais, je pose, parce que moi aussi, je veux savoir, je pose, et je vous dis ça après. Alors, forcément, ici, vous allez avoir ma case d'hier, donc la case numéro 8, et la case numéro 9, donc aujourd'hui, j'ai fait celle-ci, non, hier j'ai fait celle-ci il me semble ou celle-ci je sais plus et aujourd'hui c'était celle-ci ouais je sais plus non c'était hier celle-ci oh je sais plus enfin bref l'une des deux enfin bref du coup j'ai refait deux cases donc voilà on commence on la voit bien maintenant maintenant il n'y a plus trop de suspense hein. Comme il y a une case par-ci, par-là, il n'y a plus trop de suspense. On voit le sapin, on voit les cadeaux, on voit la Gorgeous. Voilà, on commence à bien voir. Bon, après, il n'y avait pas de surprise. Hein. J'ai laissé la petite image, mais on commence à bien découvrir. Donc, voilà ce que j'ai fait hier. Et j'ai également fait mon colo sur le trompe-l'œil, le grand bloc. C'est le colo, mon colo duo que... mais celle-ci elle est pas mal. Le colo duo il est plus mon colo il est plus dedans. Oui, d'accord. Bon, c'est bien. Hein? J'ai paumé mon colo. J'ai paumé le colo. Bon. Ah non, il est là. Voilà, j'ai fait mon duo colo pour le mois de décembre. Donc, celui-ci était avec Valérie. Donc, pour ceux qui l'avaient vu sans les traits, c'était plus tôt. Et du coup, bah, à la fin, quand il est terminé, on se retrouve avec Mini et Mickey. Donc voilà, celui-là a quasi été fait aux aquamarqueurs de chez Action avec les duals et des stabilos. Voilà. Donc voilà pour la journée d'hier. Pour la journée d'aujourd'hui, donc le 9, donc le calendrier de chez Make-up Révolution, bah voilà, aujourd'hui je l'ouvrai pas puisqu'on est le 9, donc je rouvrirai demain. Dans le calendrier de chez Action, on a eu un taille crayon, voilà, un taille crayon pour le make-up. Il y a qu'un seul embout, il y a que pour mettre vraiment les crayons, comme par exemple le contour des lèvres. Le crayon à lèvres, voilà, passe dedans. Par contre, les jumbo, ils passent... Les jumbo, je pars sur un truc. Les jumbo, le truc. Les jumbo, à peu près comme ça, forcément, ça passe pas à l'intérieur. Et dans mon calendrier de l'avant bijoux, j'ai eu une petite bague comme ça. Alors, elle est vraiment toute simple. Je vais peut-être remettre quand même. Vous verrez peut-être mieux. Voilà. C'est une petite bague, vous savez, un peu en forme de serpent. Vous voyez, avec la tête de serpent ici et la queue ici au bout, argentée. Alors, moi, je pense que je vais la laisser pour la... Enfin, je pense que je vais laisser de cette grandeur-là pour je vais la laisser au petit doigt, au final. C'est une fine bague qui va très bien sur mon petit doigt. Alors, après, elle est réglable. Donc, vous voyez, vous pouvez l'agrandir sans problème et venir la mettre forcément, voilà, à un autre doigt sans problème. Mais moi, je pense que je vais lui laisser bien sa forme du serpent, bien, voilà. Et puis, venir la mettre comme ça à un de mes petits doigts. Comme elle est argentée, elle restera de toute façon ce doigt-là. Voilà, mais sachez qu'on peut l'agrandir ou vous pouvez l'offrir à vos enfants, etc. sans problème, hein, puisqu'elle est... Enfin, s'ils ont des fins doigts ou machin... Bon, moi, je vais dans la Margot si elle en veut. Si elle en veut pas, donc à ma fille, si elle en veut...
Elle a des fins doigts, elle, donc si elle en veut, elle le prendra. Sinon, je le mettrai au petit doigt. Donc ça, c'était pour les calendriers de l'Avent. Aujourd'hui, donc j'ai fait ma case de la Gorgeous, mais ça forcément, voilà, hein, je vais pas vous le remontrer puisque vous l'avez vu. Et aujourd'hui, j'ai choisi ma page. Alors du coup, cette semaine, on a également le colo de la semaine sur le groupe, donc le colo mystère sur le groupe. Donc, je vous ai déjà expliqué hein, comment ça se passait. Donc, toutes les semaines, on nomine, donc tous les dimanches, on nomine quelqu'un qui nous donne deux numéros et deux pages. On prend n'importe quel livre de colo mystère que l'on possède et on fait l'une des deux pages. Donc, moi, personnellement, je suis partie sur Le Monde Sauvage. Et du coup, j'ai réalisé donc la page 60. Voilà, et du coup, je l'ai fait aujourd'hui. Alors, donc, je suis partie sur... j'ai ma folie des aquamarqueurs. Donc là, je suis partie sur les aquamarqueurs. Je suis partie sur les Stabilo 68. Et j'ai pris deux crayons de couleur qui sont un Zonar et un Artiste Kaliki de chez Action. Voilà. Je vous en parlerai de toute façon plus longuement dans mes vidéos colo du mois de décembre. Donc, vous aurez début janvier. Hein. Donc, voilà pour mon colo. Je vous expliquerai ce que j'ai mis, etc. Et je pense même venir... Alors là, je l'ai laissé tel que. Hein, voilà, pour le mettre en photo sur le groupe. Mais je pense que demain ou ce week-end... Ouais, non, parce que demain, j'ai des choses de prévues. Je pense que ce week-end, je viendrai certainement un petit peu sur les feuilles ici, venir mettre un petit peu de paillettes, venir mettre un petit peu de trucs. Donc voilà pour le colo du coup de cette semaine. Il est temps, il est jeudi, je crois que c'est la première fois que je le fais aussi tard. Mais bon, j'avais d'autres colos aussi à faire. Et là, ce soir, ben je suis en train de faire. De continuer ma petite toile renard avec sa petite guirlande de lumière. Et vous voyez, il me reste ça à faire. Donc du coup, là, je vais la terminer. Je vais le terminer là après avoir terminé avec vous la vidéo. Le temps que la vidéo monte, etc., je vais terminer comme ça. Ça sera fait. Hein. Et demain, je referai ma toile gorgeous. Et puis, j'ai pas mal de choses à faire demain. Donc, je sais pas si j'avancerai, mais bon, après au soir, peut-être. Donc, voilà. Voilà, sur ce, mon petit vlog des deux jours, qui a été fait en une seule journée, je suis désolée, est terminé. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Dites-moi si les petits vlogs comme ça, ça vous intéresse toujours, ou si, ça vous intéresse pas plus que ça. Sur ce, moi, je vous embrasse tous très fort, et je vous dis rendez-vous à dans deux jours. Bisous tout le monde, bye bye.